Catherine Fortin et Chloé Riverain, vous êtes animatrice à la coopérative jeunesse de services, CJS. Qu'est-ce que c'est cette coopérative-là? La coopérative jeunesse, c'est un groupe de jeunes de 12 à 14 ans environ qui montent en fin de compte leurs propres entreprises. Ils font des contrats. En fin de compte, c'est leur premier pied sur le marché du travail, en fin de compte, qu'on leur permet, nous, de faire. Là. Ils font des contrats avec qui? Peu importe, ça peut autant être commercial, résidentiel. On a de tout, là. Ça va de la tonde à pelouse, entretien ménager, jardinage, de l'aide à la maison, promenage de chien. On fait vraiment de tout, là, la peinture extérieure. Tous les projets sont bons pour les jeunes, là. Est-ce que c'est la même chose qui se passe à la Malbaie? Bien, du côté de la Malbaie, c'est sûr que nous, on a moins de personnes qui sont intéressées. Fait qu'on dit cette année, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est qu'on a décidé de prendre des personnes plus jeunes pour pouvoir avoir un plus grand répertoire de personnes. Donc, cette année, moi, pour ma part, à Malbaie, c'est les jeunes de 11 ans à 13 ans. C'est moi, mon ratio d'âge, je vois entre 11 ans et 13 ans cette année. Puis ça s'appelle Coopérative Jeunesse de Services parce qu'on donne des services en même temps à la communauté? Oui, c'est ça. On rend service. C'est sûr que le monde paye pour nos services, mais on est vraiment partout, là, que ce soit pour la ville ou que ce soit pour les petits, monsieur, madame, tout le monde, on est vraiment partout, là. Là, on est mardi soir. Bien, mardi, fin d'après-midi. Les gens mangent des hot dogs, des kiosques. Les jeunes ont préparé des jeux. Il y a des billets. Qu'est-ce qui se passe ici? En fin de compte, c'est qu'on a vraiment officialisé notre CJS. Saint-Paul et la Malbaie, on a fait une ouverture officielle. Officiellement, on est ouvert depuis le 25 juin, mais on a voulu faire vraiment un gros événement pour que le monde se rappelle que oui, on est là cette année. C'est un moyen aussi d'autofinancement. Fait que tous les billets, tous les jeux qui sont la nourriture qui est vendue aujourd'hui, c'est de l'autofinancement pour les jeunes. Et aussi, on fait tirer des beaux prix de présence. Fait que tous les coupons qui sont remis quand que le monde achète pour nous, on leur donne des coupons, puis il y a des beaux prix de présence. On a à peu près 30 ou 35 beaux cadeaux là, à la fin de la soirée. Là. Fait que c'est une forme de 5 à 7. Là. Est-ce que c'est difficile de trouver des contrats? Pour Saint-Paul, non, parce que c'est notre 14e année consécutive. Nous, là, quand on commence, on a déjà des récurrents chaque année qui reviennent. Là. C'est sûr que du côté de la Malbaie, la CJS était moins connue que du côté de Saint-Paul. Fait que dans le fond, nous, cette année, comme mouvement de départ, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a décidé de faire connaître la CJS, justement pour avoir plus de contrats, pour ramasser plus de contrats. L'année passée, on avait 12 contrats en tout dans l'année. Puis là, cette année, ça fait trois semaines que la CJS a commencé, puis on est déjà rendu à 12. Fait qu'on espère en avoir plus cette année, puis je pense que ça marche de plus en plus de se faire connaître. Là. 12 contrats en 3 semaines. Vous êtes combien de jeunes à la coopérative? Moi, j'en ai 12 à Malbaie. Moi, j'en ai 14, puis on est déjà rendu à 14 contrats aussi. Fait que tout le monde est occupé. Oui, tous les jours, j'ai des contrats, puis j'en prends encore. Il faut déjà que j'aille revoir déjà d'autres contrats durant la semaine. Fait qu'on est booké, ouais. Mais on en prend encore. On en prend, on aime ça. Les jeunes travaillent. Oui, ils aiment ça. Je trouve vraiment que c'est une belle expérience. C'est le fun, ça nous fait grandir aussi en tant qu'animatrice. Mm. Puis les jeunes là, sont beaux à voir. C'est vraiment le fun à travailler avec eux autres. Je donne ça? Oui, tu as 30 secondes. Regarde, 5 secondes. On a aussi d'autres autofinancements durant l'été. Il y a l'ouverture officielle, que ça, c'est le gros. Mais après ça, on est au maxi à Baie-Saint-Paul, pour la CJS de Baie-Saint-Paul. On est au maxi le 11 et 12 juillet. Et on a le Irving aussi au mois d'août. Les dates ne sont pas encore fixées, là, mais on a trois autofinancements durant l'été. Fait que aussi à la Malbaie, ils ont la même chose à peu près, là, sauf les épiceries changent. Là.
Pour plus de renseignements, page Facebook, site web. Facebook, EJS, la Malbaie Clermont pour ma part. Puis c'est ça, moi c'est coopérative jeunesse de services Bessin-Paul. Ben, je vous remercie de nous avoir donné les informations. Et puis je trouve que c'est un projet très, très positif pour les jeunes. Bonne continuité. Merci beaucoup. Merci à vous.